Essaye d'allonger très vite. Voilà. Bien, ça fait. Par couper. Bien. Accélère la main. Bien. Encore. Bien. Bon. Ah. Bien fait. Bien. En marche. Regarde. Bien. Relâche-toi. En marchant. Bien. Bon. En mieux. Pas coupé, oui. En. Accélère. En. Accélère. Bien. En. Accélère. En. En marche. Hop. Bien. En. Engage. Allons, prends. Pardon. Engage si. Allons. Bien. Engage. Tu t'es bien. En marche. Allons, très vite à pointe. Hop. Bien. Encore. Pas coupé. Bien. Encore une. Bon, pas couper tout. Bien. En haut. Lisse. Lisse. En lui. Hop. En. En lui. Bon, en fond d'en bas. Bien. En lui. Hop. Bien. En lui. Bien. En gueule. Hop. Bien. Lisse. En lui. Hop. Bien. En lui. Hop. Voilà. En lui. Bon. Bon. Par dégueu. Bon, en fait. Bon, relâche. Très vite du bois. Bon, encore. Bien, encore. Bon, en marche. Accélère la main. Bon. Bon. Par dégueu. En marchant. Hop. Oh. Oh. Lisse. 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 Hop. Encore une. Bien. Relâche. Il s'agit donc d'une leçon de début de saison et on essaye dans un premier temps systématiquement de retrouver les sensations de placement et de déplacement de la main dans l'espace et de vitesse d'action de doigts, de façon à essayer d'avoir une pointe qui s'accélère. Angle. Bien. Hop. Bon. Hop. Bien. Bon. Voilà. Hop. En garde. Hop.
C'est dans la main. Attends. Bon. Bon. Allez. Bon. Ah. Voilà, je crois. Après avoir travaillé le placement de la main dans l'espace et la vitesse d'enjambement de bras, on a essayé de travailler une attaque, aussi bien en quarte, en septime, en octave ou en sixte, en allant le plus vite possible, c'est-à-dire en mêlant la vitesse de réaction et la vitesse de mouvement. C'est pour cela qu'au début, on n'allait pas trop vite entre chaque action. L'objectif, bien sûr, c'est d'essayer d'enchaîner les actions très rapidement sur toutes les possibilités. Même chose lorsque je suis fendu et qu'elle doit réagir à petite distance. On travaille plus à ce moment-là les réflexes en défense, mais si vous voulez, c'est axé sur la vision périphérique. En garde, Brigitte. Fin de dégagement. Dégage-toi. En. Livre. Un, deux. Bon. En garde. Même chose. Une, deux. On passe la pointe. Un, deux. Bon. Encore. Bon. Accès vers la finale. Bon. Encore une fois. Hop. Bon. Relâche-toi. Un, deux. Bon. Reviens. Hop. Bien. En garde. Deux. Bon. Encore une. Hop. Bon. Encore. Hop. Deux. Une. Deux. En garde. Voilà. En garde. Un. Deux. Bon. Encore. Deux. Bon. Deux. Bien brisé. Deux. Bon. Deux. Bon. Distance. Deux. Bon. Le dernier. Deux. Bien. Relâche-toi. En garde. Battez à l'autre. Bon. Hop. Bien. Encore. Hop. Bon. Un. Deux. En garde. Hop. Bien fait. Accélère. Hop. Bon. Bon. Bien. Bon. Dégage. Bon. Bien. Bien fait. Step. Bien, Brigitte. Hop. Bon. Bon. Relâche. En garde. Battez à l'autre. Bien. Hop. Bien. En passe. Bien fait. Hop. Très vite. Bien. Pardon. On refait. Hop. Bien. Encore. Bon. 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 Bien, Brigitte. Hop. Bien fait. Bon. La main. Bon. Encore. Bon. Bon. Bien. Bon. Oui. Relâche. En garde. Un, deux. Hop. Bon. C'est bon. En garde. Un, deux. Si je bouge pas, tu vas tout. Un. Bon. En garde. Un. Bien. Encore une. Un. Bon. Hop. Hop. Bien. Hop. Bien. Bon. Voilà. En. Bien en. Un.
Bon. 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 Encore une, deux dernières. Hop. Bon. Entre. Alors, tombe. Allez. Alors, je fais la frappe. Bien. Oh. Brasse. Bon, il est bien évident que ce n'est pas en un quart d'heure que l'on peut montrer toute l'étendue des possibilités qu'un entraîneur a avec des tireurs de haut niveau. L'objectif, là, était seulement d'essayer de formaliser un certain nombre de situations caractéristiques du fleuret, à condition que l'on évolue à partir de ces situations, notamment sur le plan des exigences en incertitude et aussi du travail technique. Là, il manque notamment beaucoup de mouvements, encore que comme on est en début de saison, ce n'est pas très grave. Il est certain qu'en milieu et en fin de saison, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de mouvements. Également, beaucoup plus de possibilités. Les richesses ne sont pas entièrement exploitées. Mais c'était une leçon de début de saison. Dans la première partie, nous avons souligné l'insuffisance de mobilité et d'exploitation des situations, le travail présenté étant plus spécifique d'un début de saison. Dans cette seconde partie, notre intention est d'aller un peu plus loin dans ces deux directions. Allez, on garde, Gisèle. Oh, man. Bien. La pointe très très vite. Là. Bien. Ok. Bien. Bien fait. Bien fait. Ok. Relâche-toi. Relâche les doigts. Accélère la main. Relâche-toi. En garde. Relâche-toi.
Là. Bien. Le bras bien d'abord. Ok. Bien. En là. Attention. Un, deux, tout. Bien fait. Un, ok. Là. En. Bien. Bien. Bon. Voilà, je crois. Au cours de cette première partie échauffement, l'attention de l'élève a été centrée en permanence sur son arme et sa coordination. Tout d'abord, l'allongement du bras, quelques vitesses sur l'allongement de bras. Ensuite, le passage de la pointe et tout ce qui est vitesse de main et vitesse d'action des doigts. Enfin, coordination bras-jambes à partir d'une situation bras allongé, parce que cela nécessite une accélération sur l'allongement du bras avant la fente. En garde Gisèle. Bien. Distance. Et tu. Là. Ta mise. Hop, un, deux. Hop, accélère la finale. Accélère. Hop, hop, un, deux. Bien. Hop, accélère la finale. Hop. Ok. Relâche-toi. On repart. Si jamais tu es pris, tu ne l'as pas fait, tu restes bras allongé. Ok. Hop. Hop, dessus. Accélère la finale. Bien rythmé, tu vois, entre les deux. Pan, pan. Un petit peu encore trop rapide, mon chien. Un tout petit peu. On va faire un peu de coordination. Un, deux, trois. Reviens bien, Nancy. Un, deux, trois. Voilà. En bas. Très vite. Un, deux, trois. Et. Deux, tout de suite à quoi. Voilà, ça c'est bien. Un, deux, trois, et très vite. Oh. Un, deux. Ok, Gisèle. Relâche-toi. On fait un peu sur la carte. Non, marche. Un, deux, et tu reviens. Oh. Encore. Un, deux, trois. Ok. Un, deux, trois. Bien. 1, 2, 3, en rond. 1, 2, 3, bien fait. 1, 2, 3, allons fort. En rond. Voilà. Bien fait. Hop là. Hop. Attention. Direct fait. Oh.
Place bien la main à gauche, là. Après, tu viens à l'épaule, ça va vite, ça, tu sais. Vite ! Voilà ! En flèche, ça. Loin ! Et voilà ! Relâche-toi. Là, la main était bien. La main est bien venue. Il nous semble que tout travail avec des tireurs est centré autour de deux pôles. Le premier a pour but de développer le rapport corps-arme et s'articule autour de la maîtrise de l'arme dans toutes ses composantes. Par exemple, vitesse d'exécution, pénétration de la pointe, placement et déplacement de la main dans l'espace, coordination. Le deuxième vise à orienter l'attention de l'élève vers les signaux présentés par le maître en fonction des incertitudes présentes, qu'elles soient temporelles, événementielles ou spatiales. On sollicite ainsi le système de traitement de l'information par l'utilisation de situations jugées pertinentes par l'enseignant.